جامع ديال اليهود ديال اكادير لا كوميونيتي اسرائيليه داكادير. درنا حفله قبل الوقت ديال لا فيت دي ترون اللي غيجي ديمونش. درنا قبل شويه بور دي ريزون تكنيك اي سي توجور ان اونور فرحه كبيره de recevoir le Wali en l'honneur de Sa Majesté pour la fête du trône. On est fiers d'être à Agadir, de la ville est complètement renouvelée, elle fait plaisir à voir, le tourisme est reparti, alors tous les voyants sont ouverts pour un gros développement. On a reçu beaucoup depuis les accords d'Abraham de visites d'Israéliens, autant dans le tourisme que dans le monde professionnel, spécialement dans l'aquaculture, l'agriculture et la sécurité. La récente déclaration du gouvernement israélien concernant le Sahara marocain nous conforte. Hanim Bzef, la déclaration, Binma. De façon Sahara maghrébia, mais ils l'ont quand même accepté à l'international, et ça c'est un point très fort, et ça va réveiller les investissements. Les gens sont rassurés, les investisseurs israéliens, spécialement dans tout ce qui est dans le monde de la pêche et de l'aquaculture, sont très intéressés par la côte marocaine. C'est des spécialistes aussi de la gestion de l'eau, et on a un vrai problème d'eau dans la région. Et من هنا لقدام ما يكون غير الخير أكادير دابا جديدة. C'est la capitale du Sud et nous sommes la communauté la plus vivante, la plus au Sud. Et on a aussi un gros travail sur le patrimoine judéo-amazir marocain à Ifrane de l'Anti-Atlas, à Targisht, à Tata, à Tiznit aussi. Et on est en train de créer un circuit de tous ces lieux importants pour le judaïsme berbère, et on espère bientôt achalander un gâteau de la Jamal Diana parce qu'il y a un musée judéo-berbère, et afin que pour ne pas oublier le patrimoine judéo-amazir qui est très important.